Route du Rhum 2010. C'est un multicoque de près de 32 mètres qui attire le regard. Il est mené d'habitude par 10 marins. Franck Camas a fait raccourcir le mât, installer un vélo pour aider à la manœuvre, et 9 jours plus tard, il gagne en solitaire la Route du Rhum, un pari fou. Bah, c'était audacieux, mais des fois ça paye. J'avais plein d'incertitudes au départ, mais ça a fonctionné. On a pris une route qui convenait au bateau aussi. Je sais pas, c'est un truc incroyable parce que je m'y attendais pas vraiment en fait, au départ de Saint-Malo. Mais c'est quand on s'y attend pas que ça marche le mieux. Donc. 2010, un gros bateau et un grand marin dans la légende de la Route du Rhum, Franck Camas.